CEST, la nouvelle à laquelle les fans ne s'attendaient pas. Vendredi 18 novembre 2022, sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8, Benjamin Castaldi a révélé qu'il travaillait sur un projet commun avec son père. Je suis content parce qu'il a l'air très en forme et j'ai un très beau projet avec lui, a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il allait monter ensemble le spectacle Les Losers Magnifiques. Avec humour, l'animateur a confié, « Mon père et moi, on a un point commun, si estime que parfois dans nos deux carrières, au moment où ça devait arriver, bim, on a trébuché. » Sur le plateau de l'émission, celui-ci a dévoilé, « Je vais vous dire une chose incroyable, mon père, à 23 ans, il a été appelé par la Paramount. Il est parti en Amérique pour faire un film, il avait eu un rôle extrêmement important, il devait faire un film américain. Sa mère, à l'époque, qui tirait les cartes, lui a dit, « Jean-Pierre, tu pars en Amérique, mais tu ne tournes pas. » Alors mon père lui dit, « Écoute maman, arrête tes conneries, j'ai le billet d'avion. » Benjamin Castaldi a continué, la Paramount lui avait envoyé le billet d'avion, le contrat signé. Il part en première classe, il fait un prêt à la banque parce qu'il achète plein de fringues pour être très beau à Hollywood. Dans le même temps, il est en train de divorcer avec ma mère. Donc, voilà, CEST un nouveau départ. Il arrive à Los Angeles, et au moment où il doit commencer à tourner, on l'appelle et on lui dit, « Monsieur Castaldi, il y a un problème. » Il dit, « Comment ça il y a un problème ?» Et on lui dit, « Vous n'allez pas pouvoir tourner parce que les syndicats américains demandent pourquoi on a engagé un Français alors que leur rôle pouvait être tenu par un Américain. Donc, on vous vire. » Pour conclure, l'animateur a ajouté, il est revenu en France, il n'avait pas touché son oseille, il avait le crédit des vêtements. Il est resté 18 mois au chômage. Il avait toutes ses affaires dans sa voiture, qu'il avait ramenée parce qu'il était en train de divorcer de ma mère. On lui a fracturé la voiture, on lui a tout piqué. Il n'avait plus rien, il avait tout perdu. Mon père, si y est-il que ça. Jean-Pierre Castaldi, je lui dis d'arrêter de parler d'argent à la télé jeudi 17 novembre 2022, sur le plateau de chez Jordan, pour Télé Loisirs, Jean-Pierre Castaldi avait évoqué la carrière de son fils. Avec émotion, la star avait indiqué, mon fils Benjamin Castaldi est un très grand présentateur. On ne le dit pas assez, mais CEST est un des plus doués de sa génération. Mais il est tricard, je l'avais prévenu. Il a fait des bêtises donc il les paie, ça me fait rire, car je l'avais prévenu. Je lui ai expliqué trois fois l'effet qui se coule avec les impôts. Il avait ajouté par la suite, moi, je lui dis d'arrêter de parler d'argent à la télé. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'il a gagné ce qu'un mec ne gagnera jamais dans sa vie. Benjamin, personne ne va le plaindre, mais il a une excuse. On lui avait caché que sa grand-mère allait partir. Il a eu une adolescence très dure, il a tout perdu en 3 ans. La famille a éclaté après. Moi, j'étais dur avec lui, il m'en a voulu pendant 10 ans et après, il m'a dit, merci papa.